Partout où il est passé, il a semé le chaos. Partout où il est passé, il a semé la destruction. C'est pourquoi je l'accuse. Je l'accuse d'être le plus grand kidnappeur sur cette terre. Je l'accuse d'être le plus grand assassin sur cette terre. Je l'accuse d'être le plus grand voleur, le plus grand esclavagiste sur cette terre. Le plus grand ivrogne sur cette terre. Il ne peut nier ses accusations. Vous non plus, vous ne pouvez nier ses accusations. Nous sommes la preuve vivante de ses accusations. Vous en êtes la preuve vivante. There is a new African in the world. That new African is ready to fight his own battle and show that after all, the black man is capable of managing the whole of us. Aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort nous vaincront. For 250 years, we have struggled under the burden and rigors of slavery. We were maimed, we were brutalized, we were ravaged in every way. We are men. We have hopes, we have passions, we have feelings, we have desires just like any other race. The cries raised all over the world of Canada for the Canadians, of America for the Americans, of England for the English, of France for the French, of Germany for the Germans. Do you think it unreasonable that we, the blacks of the world, should raise the cry of Africa for the Africans? Yeah. Moi je m'appelle Luwezi et je suis membre du mouvement. Tu sais qu'on voudrait dire quelque chose de neuf s'est passé ici à Londres. Il y a eu un soulèvement populaire, il y a eu une révolte populaire, une révolte donc de jeunes travailleurs ici. C'est une révolte sociale. Il y a des raisons profondes à cela. Ne croyez pas à ce que vous lisez dans les journaux ou dans les images qu'on vous montre, comme quoi c'est des actes de vandalisme, tout ce qu'on connaît, c'est une révolte sociale. Les gens ici, donc les jeunes ici, ils ont fait quelque chose d'héroïque. Ils ont mis fin à ce que nous appelons au statu quo ici. Nous avons souffert dans le silence pendant longtemps. Nous, les Africains en Europe, nous souffrons dans le silence depuis longtemps. Donc les jeunes ici ont dit non, non, non à cela. Ils ont donc réagi sur la scène publique et ils ont réagi donc avec vigueur. Ils ont créé une crise pour le gouvernement anglais ici à Londres. Mais pourquoi? Tout le monde pense que l'Angleterre, c'est le pays de la démocratie, c'est le pays où les Noirs sont intégrés. Pourquoi il y a cette explosion donc, sociale? Tout ce qu'on peut dire, c'est que ici, si tu parles à n'importe quel jeune dans les quartiers populaires, ils vont vous dire qu'ils vivent sous un harcèlement policier permanent, 24 heures sur 7. La police est toujours dans les quartiers populaires en train de harceler, en train de traiter avec violence donc les jeunes. On les interpelle pour un rien, on les arrête pour un rien, on les fouille pour un rien. Et la presse en général ici diabolise donc les jeunes noirs donc dans ce pays. Alors, ce qui s'est passé le 4 août à Tottenham n'a fait que déclencher, donc déborder l'eau dans la vase donc ici en Angleterre, à Tottenham. Au nord de Londres, il y a une police spécialisée connue sous le nom de Opération Trident qui a été créée spécialement pour contenir la population donc africaine ici en Angleterre. Et c'est une population, c'est une police armée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que la police en Angleterre n'a pas d'armes. Non, depuis que les colonisés, donc la population noire, est arrivée ici en Angleterre, la police britannique a commencé à s'armer progressivement. Donc c'est une police armée. Et ils ont tiré sur Mark Duggan. Après, ils ont donné des explications.
que Mark Dagen était un dealer et qu'il était armé. Mais maintenant, nous savons que, d'après les déclarations de la presse et aussi d'après les déclarations aussi de la commission indépendance policière ici, que Mark Dagen n'avait pas tiré chez la police. Ça, on le sait. Le balle qu'ils ont retrouvé dans la radio de police, c'était le balle qui a été tiré à partir du pistolet donc, de notre policier. Ça, on le sait. Donc, c'était du pur mensonge. Alors, maintenant, le 6 août, il y a eu une démonstration devant le commissariat de Tottenham, organisée par la famille de Mark Dagen, ainsi que le membre de la communauté donc, africaine ici à Londres. Alors, ils ont demandé que la police vienne leur parler, que la police vienne leur donner des explications. Les chefs de ces commissariats, les chefs de police ont refusé, personne n'est sorti. Les gens ont attendu patiemment, mais personne n'est venu. Et en plus, il y a eu une jeune fille africaine de 16 ans qui a été bastonnée par la police. Et ceci à la vue de tous. Et ceci a fait déborder la situation. Donc, ça a explosé à Tottenham. Mais ce que nous devons retenir, c'est que cette explosion-là, bien que le déclic a été l'assassinat par la police de Mark Dagen, mais c'est plusieurs décennies de politiques d'appauvrissement, c'est plusieurs décennies de tactiques policières de contenir la communauté noire, c'est plusieurs décennies d'humiliation, de matraquage de jeunes, d'interpellation policière de jeunes, de violence policière contre les jeunes. Ça, c'est une routine. La violence policière, donc les jeunes ici en Angleterre, c'est une routine. Et les jeunes ont répondu à ça. Les jeunes aussi ont répondu à la vie chère. Tout le monde ici est d'accord que la vie est trop chère. Tout coûte cher ici. Et que beaucoup de familles pauvres n'en peuvent plus. Donc les jeunes ont répondu à ça. On a vu les jeunes aller dans les magasins prendre des chaussures. Mais pensez à ça. Les jeunes qui vont dans les magasins juste pour prendre des chaussures, c'est une déclaration, c'est un témoignage que c'est une population donc pauvre. Donc ce qu'on a vu, c'est un soulèvement d'une population pauvre, appauvrie par plusieurs décennies des politiques de travaillistes et des conservateurs qui ne permettent plus à la population de vivre donc décemment. Donc ce n'était pas un acte qui n'avait pas de sens, ce n'était pas un acte de voyous, etc., comme la presse veut que nous pensons comme cela. Mais non, c'est un soulèvement populaire, c'est une révolte populaire qui a une base sociale claire, que les gens demandent une dignité, les gens demandent une vie donc acceptable, donc décente. Les gens veulent avoir donc des chaussures comme tout le monde, les gens veulent avoir des téléphones comme tout le monde, il n'y a rien de mal à avoir accès donc à tout ça. Mais on veut nous faire croire que les Noirs sont intégrés ici. Si on écoute par exemple le membre du Parlement africain comme David Lamy, lui dirait que les relations entre les jeunes, entre les personnes noires et la police sont bonnes. Mais il ne parle pas pour la population noire en général. Il ne parle pas pour les travailleurs. Il parle pour la petite bourgeoisie africaine. Celle qui est intégrée dans les partis politiques, dans les compagnies anglaises ou dans le mairie, donc dans le gouvernement. Ils parlent pour eux. Et peut-être qu'ils sont respectés par la police. Hein, des magistrats noirs, des gens comme ça, peut-être ils sont respectés par la police. Mais les travailleurs, les jeunes qui vivent dans les quartiers populaires, ils sont maltraités par la police tout le temps. Donc, ce que nous disons, le gouvernement ici, les dirigeants ici, ils ont un choix à faire. Ou ils s'unissent avec les aspirations, avec les demandes de la population africaine ici, de jeunes travailleurs ici, de la population noire en général, qui demandent de la liberté, de la dignité, qui veulent donc réclamer le contrôle donc, de leurs ressources et de leur vie. Ou bien ils s'unissent avec ça, ou bien ils s'attaquent à ces aspirations. C'est-à-dire qu'ils réagissent comme les Mobutu, comme les Moubarak, en optant pour une solution militaire. Et apparemment, maintenant, si on écoute tout ce que le gouvernement britannique est en train de dire, ils ont opté pour une réponse militaire. Ils ont opté pour une réponse de contre-insurrection.
Donc là, il mobilise toute la police, il mobilise des canons. And in England, and in Spain, and other places, we find ourselves fighting for more welfare from the imperial power, while all of imperialism is living off the welfare of Africa and African people. C'est dans ce cadre-là que nous font un plan africain. No mind your nationality, you have got the identity of an African. Cause if you come from Clarendon, and if you come from Portland, and if you come from Westmoreland, you're an African. So don't care where you come from, as long as you're a black man, you're an African. No mind your nationality, I've got the identity.